Bonjour Seydo. Eh o tu m'entends Je pense que tu as ton micro euh, coupé. Tu m'entends Tu vois mon écran Je n'ai pas accès au micro. Euh... comme ça Ok, le micro est brisé. Un instant. Donc, euh... Euh... Participants. Autoriser le micro. Oui. Autoriser le micro pour les participants. Voilà. Ouais. bonjour, Aristide. Oui, bonjour, de Comment tu vas? Ça va bien, et chez toi? Oui, ça va très, très bien. Très, très bien. Super. Alors, je pense qu'on a une. On a seulement une seule heure devant nous, ok? Là, okay. tu es seul, le, seul, le premier participant à, à s'être connecté. Tout de même, okay. je vais quand même euh, commencer par l'architecture, hein, parce qu'il y a quand même, il y a à faire. Je ne sais pas si tu es, tu es un peu habitué, euh, un habitué d'OpenShift? Non, non, je suis, je suis un suis fan. T'es novice? Oh, voilà. alors là, ça va être euh, un peu... Bon, 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 bon voilà pour moi en fait quand on parle d'installation je, je me suis dit que bon ceux qui viennent en fait une, une toute petite notion en fait mais bon c'est pas grave si je as pas de grande notion sur OpenShift je vais quand même essayer de t'introduire d'abord on passe on, on parle de Docker ok Docker c'est d'abord c'est c'est d'abord des, des, des conteneurs okay? ok et qui parle de conteneurs ok c'est d'abord des profils en fait qui s'exécutent sur une machine Linux ok Donc, Linux en premier Ok et c'est de là qu'a démarré euh, la notion de conteneur. Je ne parle pas des deux coeurs. D'abord la notion de conteneur. Ok, c'est pour ça en fait euh, qui c'est un exécutionnement Linux oh, qui se base oh, sur deux primitives Linux. Ok, il y a le premier qui est le namespace qui permet de compartimenter uh, ce que une peut voir et ce qu'il ne peut pas voir. Euh, Quelqu'un d'autre avoir accès. Voilà. Donc, euh, bonjour Georges. Allô? Oui, allô? allô oui, bonjour euh, Aristide, bonjour tout le monde. Alors, ok, donc les deux premiers. Donc, comme je disais, le, les contenants, en fait, euh, sont basés sur deux primitives, le sur le NINSPACE et les C-Groups. Les C-Groups qui permettent à ce que on puisse. Je trouve ce qui d'autre là. Ali. ok. Permettent à ce que les. Euh, un processus, en fait, hein, Linux, ne puisse pas avoir affaire à certaines ressources ou soit dimensionné ou capé un processus, en fait, à pouvoir utiliser tel nombre de CPU, tel nombre de RAM, en fait. Donc, voici d'où es par, est partie, en fait, la notion de conteneur. OK C Donc, Namespace et ses groupes. L'inspace compartimenté et le groupe hein, pour pouvoir gérer l'utilisation des ressources sur une machine euh, Linux. Okay? Donc, partant de là... Docker est arrivé avec un concept en supplément qui a, mais qui a exploité ces deux primitives Linux, Nespace et C-Group. Ils ont rajouté en fait une couche applicative qui permet à ce qu'on puisse déployer les applications avec l'ensemble de leurs dé, leur dépendances, ok De sorte à pouvoir packager ces applications et les déployer sur un environnement Linux. D'où est partie la notion de Docker, ok Donc, lorsqu'une application est packagée, ok vous pouvez former ce qu'on appelle une image et cette image est immutable, c'est-à-dire ne peut pas être modifiée. Si vous voulez créer une nouvelle image, vous partez d'une image initiale et créez une nouvelle image. Okay? Donc, voici d'où est parti la notion, le, voici comment se, se faire une... Euh, la, voici d'où est-ce que euh, Docker en fait, a, a pris son invention. Et donc, du coup, euh, avec le conteneur, euh, les images, le, le, le conteneur Docker, vous pouvez déployer ce qu'on appelle les le, Docker, conteneurs de Docker conscience euh, approprié pour une architecture du type microservices. Okay? Parce qu'auparavant, les applications étaient déployées de, de manière monolithique. Okay? Vous avez une grosse application avec l'ensemble des sous-services et les bases données en back-end. Maintenant, avec l'approche des de, de, de conteneurs, pour avoir une, une achat du type microservices, et chaque service est déployé sur un, un conteneur et est accessible via un API d'accès aux différents services qu'il qu traite. OK? Du coup, vous avez une architecture euh, microservices qui peut être déployée sur plusieurs serveurs afin de pouvoir rendre le service au finish. OK? Et l'intérêt de cela est de pouvoir euh, permettre à ce que la maintenance, le déploiement, OK? Les boucles d'amélioration continue des différentes euh, applications soient extrêmement raccourcis, d'où la notion de DevOps. Okay. Mais la contrainte avec cet architecture de microservices, lorsque vous avez plusieurs conteneurs à gérer, cela devient, euh, un, ça devient une usine à gaz en fait. Okay. Soit arrêter, démarrer les le, le, le conteneurs, okay. euh, faire réaliser le, la, la scalabilité de ces différents conteneurs, ça devient un peu plus compliqué. D'où vient la notion de d'orchestrateur de, de conteneurs? qui permet de pouvoir gérer l'arrêt, le démarrage, la planification, la montée en charge des différents conteneurs de sur un environnement. Ok, donc parmi ces orchestrateurs, il y a ce qu'on appelle Kubernetes, okay, qui est le plus évolué et un peu moins évolué le, le, le Docker Swarm, ok, qui sont des orchestrateurs de conteneurs, ok. Mais ceux-là sont un tout petit peu limités, ok. Euh, ils sont un tout petit peu limités lorsque euh, vous voulez aller à un échelle en fait au niveau on va dire au Niveau entreprise si on veut le dire en, en fait. Donc, d'où vient, vient la notion d'OpenShift? OpenShift, c'est d'abord Kubernetes. Ça, enfin, il faut le savoir. C'est d'abord Kubernetes, mais avec des services en plus. OK? Nous sommes à l'heure du DevOps. OK? Nous sommes à l'heure de la sécurité. OK? Nous sommes aussi à l'heure du commandage de l'interface User Interface. OK? Nous sommes à l'heure des pipelines, ok euh, On va dire euh, comment GitHub et autres, ok Qui permet de pouvoir euh, construire en fait des pipelines pour le déploiement euh, des différentes applications, ok Nous sommes à l'heure de l'orchestration de, de l'automatisation de, de des déploiements. Avec euh, OpenShift, vous avez ces couches qui, sont, qui vous sont déplo euh, déployées au dessus de, de votre euh, environnement Kubernetes, ok Vous avez le service de le déploiement. Vous pouvez y plugger tout ce qui a gouvernance en fait. De, de déploiement sur votre environnement avec OpenShift pour vous savoir qui a déployé quoi et à quel moment s'il faille plouver, vous l approuver, vous pouvez l'approuver vous pouvez le plugger sur un environnement euh, dit top pour le déploiement continu sur cet environnement donc tout ça en fait OpenShift vient avec la puissance en fait et la connaissance de, de l'équipe Red Hat en plus sur l'environnement euh, Kubernetes donc pour son déploiement euh, je vais un peu vite euh, puisqu'on a passé le temps. Je fais, je fais juste un résumé. L'essentiel pour nous ici est de pouvoir réaliser le déploiement de l'environnement OpenShift. Voilà. Donc, pour pouvoir pour ce faire pour déployer, pour déployer un tel environnement, euh, il y a plusieurs OpenShift se sur plusieurs types d'environnement. Pour le déployer dans le cloud. Ou soit on-premise, okay? on c'est-à-dire dans le locaux de l'entreprise, en vous fait, pouvez déployer euh, une plateforme OpenShift pour pouvoir, fournir, euh, pour pouvoir réaliser un PAS, okay? une plateforme à des services. Parce que OpenShift, c'est d'abord un, un PAS, une plateforme à des services qui permet de pouvoir déployer des applications, lesquelles l'application va pouvoir fournir le service euh, recherché. Voilà, donc dans le cadre de la science d'aujourd'hui, nous allons déployer notre PAS OpenShift sur euh, ces différents serveurs. Nous aurons peut-être sept serveurs, voilà, à raison d'un serveur qui va être un serveur central. Ok Là, je suis sur l'architecture qui va être déployée tout à l'heure. Donc, on, vous pouvez poser une ou deux questions et je vais démarrer l'installation. Mais pour l'instant, je j'explique. Je, vous aurez un premier serveur, on aura un premier serveur UtilityNode que j'appelle Utility Node. Parce que c'est un serveur sur lequel euh, je change juste ça. Voilà. Je, je l'appelle en fait serveur Utility une parce que c'est un serveur sur lequel on aura l'ensemble d'un services sur d'infrastructure. ok À savoir le DNS, le DHCP, un serveur web, un serveur TFTP et un serveur euh, NFS, ok Un serveur HAProxy. proxy, ok Qui va nous permettre, qui vont nous permettre de pouvoir à la fois déployer notre environnement. Okay. Et aussi à la fois permettre à ce que les, les, les équipes qui sont à l'extérieur de l'environnement puissent avoir accès à la plateforme OpenShift. Okay. Donc, pour le déploiement, on aura un serveur Bootstrap. Ce serveur Bootstrap, que va être son rôle Son, son rôle sera de pouvoir en fait avoir un serveur Control Plane ou un master node temporaire okay, qui va permettre à ce que euh, je va permettre à ce que je prends juste le style euh, qui va permettre à ce que on puisse avoir un contrôle plane ou un master node temporaire déployer ce nœud ce nœud-ci ok lorsqu'il va être déployé ces nœuds contrôle plane qui sont ici ok vont pouvoir être, reprendre les configurations qui qui ont été déployées sur le, le bootstrap node donc, et être déployées sur le serveur contrôle plane ok sachant que la stratégie d'installation de ces différents serveurs Bootstrap, on aura deux éléments l'installation des serveurs et l'installation de la plateforme. L'installation des serveurs Bootstrap, qui sont des serveurs qui sont basés sur l'OS ou OS de Red Hat, OK, vont être installés via le PXE boot. OK, le PXE boot en fait permet de pouvoir, comme dit, c'est le Pre Booting Execution Environment qui permet de pouvoir déployer un OS via le réseau. OK, donc, dans cette stratégie, on va d'abord installer les serveurs en mode PXE boot dans un premier temps, puis l'installation de l'environnement OpenShift. Okay? Donc, cela se fera euh, dans un premier temps via le comme je dis, le PXE boot et après, lorsque les, les différents serveurs sont installés, on va ensuite passer euh, la main au Bootstrap Node qui va pouvoir permettre le déploiement de ces différentes applications euh, sur ces différents nœuds, euh, Masternode et autres. Donc, jusque-là, y a-t-il des questions avant qu'on puisse démarrer sur l'architecture qui va être, être adoptée pour l'installation? Y a-t-il des questions? Okay, euh, tout, est, tout est clair pour l'instant. Ok, très bien. Donc, pour ce faire, ici, dans mon architecture, dans mon document d'architecture, j'ai un serveur. Ok. Euh, j'ai un serveur physique y a ici sur lequel euh, j'ai un OS un operating system Ubuntu euh, ok donc comme vous pouvez le voir ici là, sur là c'est tu voilà vous voyez le diaporama vous le voyez oui on voit, on voit euh, le ok super donc, donc ok euh, donc ici j'ai l'operating system Ubuntu qui été installé sur le serveur physique mon serveur physique à ce niveau ensuite j'ai déployé KVM sur le serveur physique pour le, afin de le virtualiser, OK, qui va permettre à ce que je puisse déployer dans un premier lieu le serveur utility. Ça, je vais le déployer manuellement. Je le déploie, OK? Et dans un, lorsque l'utility le, le va être installé avec l'ensemble des services, donc je reprends, j'installe d'abord le utility, j'installe l'ensemble des services PXE, proxy et autres, je les installe en premier lieu. Lorsqu'ils sont installés, OK? Je vais, passer la, la main, euh, je vais passer ensuite au, au PICE Booting pour le déploiement automatique de ces différents nœuds, euh, Bootstrap, VM, control, euh, control Plane ou Master Node et aussi Worker work Node via la technologie PXE. parce que les services PXE, TFTP, euh, uh, DHCP, DNS seront installés sur le nœud Utility Node. OK? Donc, donc dans un premier temps, on installe d'abord le, 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 le service Utility avec l'ensemble de ces différents services. Donc, pour ce faire, je viens sur le serveur. Ici, je vous ai préparé dans le cours sur Udemy. Je pense que j'ai mis le lien dans, le... dans le... avant-hier ou hier. Sur le... sur... Mais je vais vous partager le cours sur Udemy, qui est gratuit actuellement. Actuellement, il est gratuit pour la partie installation. Donc, vous pouvez, vous pouvez toujours avoir l'ensemble de ces différents ressources sur Udemy. OK. Donc, ici, je, je me suis dit que vous n'avez pas. Si jamais vous avez un environnement physique, OK, avec des serveurs, euh, un environnement KVM, voici comment je me suis pris pour pouvoir déployer les, les, ces différents switches. OK, parce qu'on aura d'abord, list. On a deux, deux, deux réseaux, le réseau OCP management et le réseau network. OK, ce sont ceux-là. C'est ce réseau. Le réseau. Euh sur interface 2, internal, le réseau internal, okay, et le réseau externe. ok ce que je vais appeler le réseau interne interface 1, le, le external, qui est le réseau de management, c'est le réseau qui est pluggé à l'extérieur, sur l'extérieur de votre environnement. Okay. Et ce second réseau ici est le réseau euh, internal, qui sera le réseau privé, en fait, donc, sous lequel seront pluggés l'ensemble de vos machines euh, OpenShift afin que ceux-ci ne pu pu puissent pas avoir directement accès à Internet. C'est possible d'utiliser accès à Internet, mais dans mon de si je, je, je l'ai mis dans un réseau privé. De sorte que le, le serveur Utility soit un serveur tampon qui sera une sorte de gateway pour cette machine. OK Voilà. Donc, euh, ces deux réseaux ont été déjà déployés. Si vous êtes intéressé à savoir comment ça a été fait dans la documentation, vous avez cela, OK Vous avez le, les deux réseaux OCP, qui est un réseau privé. Pour le OCP Management, c'est un réseau en fait, qui est en mode NAT qui permet à ce qu'on puisse avoir accès à Internet en mode NAT sur le serveur physique. Pour l'installation, voici les différentes commandes qui ont permis euh, l'installation de ces différents réseaux. Je l'ai déjà fait précédemment. Ensuite, euh, le démarrage, lorsque cela est fait, je passer à la création de ces différentes machines. De la première machine utility, donc je la crée via la commande VICH Install. Donc pour l'instant, euh, j'avais déjà téléchargé l'ISO euh, dans le répertoire, donc du coup, ici, euh, pas la peine de le refaire, mais j'ai mis la commande de téléchargement de l'ISO. Okay? Donc, vich install, le nom du serveur, la quantité de RAM à, à J'ai mis cette, cette RAM pour aller un peu plus rapidement, parce que je, puisque je ne veux pas comprendre assez de temps, donc du coup, j'ai augmenté la RAM de CPU. Donc, ici, 8 Go de RAM, on a 4 VCPU, le type de OS, on est sur l'OS CentOS Stream, okay? 8. Okay, le premier réseau, le réseau de management, le réseau de network sur lequel cette machine va être branchée. Okay? Et l'OS de base, okay, qui, qui est l'ISO sur lequel on va se baser pour pouvoir faire l'installation. Donc, sans plus tarder, je lance l'installation. Bien, euh, donc à ce niveau, l'installation, bon, c'est en train de booter. L'OS a booté. On va maintenant me demander l'ensemble des champs, paramètres de configuration de la ma machine. Bon, à ce niveau, si vous avez des questions, posez-les-moi en parallèle. Euh, je vais pouvoir y répondre. Euh, donc, j'ai défini le, le mot de passe route de la, de la de ma machine. Uh, yes, parce que le mot de passe n'est pas assez corsé. Ensuite, uh, le time zone. Le, pour la partie time zone, je mets sur le Africa. Change, change time zone. Je le change. Je le mets sur Africa. For, on va dire un Abidjan. Uh, ensuite, uh, pour le installation destination 5. Je change, je sais, je prends la paramètre par défaut, c'est C pour continue, c'est pour continue. OK, ceci a été fait, les différents éléments mandatoires ont été réalisés. Je peux laisser le network, plus tard je vais le configurer. Pareil pour les users, je ne vais pas créer de users pour l'instant. Donc je lance l'installation. B pour Begin Installations. Donc, ici, partant de là, ça va prendre un peu de temps. Donc, j'ai le temps de pouvoir. Je vais revenir sur l'architecture. Je reviens sur l'architecture. C'est le moment de poser des questions. S'il y a des questions qu'il qu y a, si vous avez des questions, posez-les parce que ça, ça va prendre peut-être une dizaine d'une minute maximum. Donc, s'il y a des questions, posez-les moi. Je vous en prie. Euh... Oui. Oui. oui alors. Euh... Bon, vu le. Le lab qu'on est en train de faire, c'est directement sur un serveur physique, c'est ça? Exactement, exactement. D'accord. Bon. Euh, c'est un des -ce autres que... qui était virtualisé, oui. D'accord. Mais là, en l'occurrence, si moi je voudrais reprendre ce lab-là, je n'ai pas de non. serveur physique. Donc, est-ce que de manière virtualisée, avec un workstation, on peut le faire? Euh, Aïe, ouais. bon. Si tu veux le faire sur puisque sur Workstation, tu vas déployer des machines virtuelles, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, quand tu dis on entend du fait sur un service physique, la couche basse, en fait, c'est un service physique, effectivement. Mais euh, l'OS, le, du moins, la plateforme, sera déployée sur des machines virtuelles. Je ne sais pas si tu comprends oui. la, la nuance. Voilà. L oui, la ouais. couche basse, voilà, c'est une machine physique effectivement, qui a été virtualisée afin de pouvoir déployer des machines virtuelles, OK? Voilà. D'accord. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit ici, euh, je pense qu'il est possible de pouvoir, si vous êtes intéressé, je, on pourra vous fournir un lien, en fait, de, pour pouvoir euh, avoir des machines virtuelles, en fait. Ça ici si vous voulez acheter des machines ouais. virtuelles avec nous, et on a, je pense, que le, le mardi, j'ai dit qu'il avec avait 49 000 francs vous pouvez déployer, euh, louer en fait les sept serveurs, tous ces serveurs-là, pour que vous puissiez mm -hmm. en fait faire vos déploiements par vous-même en fait. Voilà. D'accord. Le, si les, vous... les 49, mais c'est sur si combien de temps euh, Un mois, comme tout le monde en fait. Mm -hmm. Donc vous avez et, hein, imagine, 12 gigas de RAM, OK, 4VCPU, okay? donc ça, pas c'est pas tout cher payé en fait pour, les, pour ces sept mm -hmm. serveurs, pour faire votre, votre installation. Donc, euh, qu'est-ce qui est-ce qu'il a terminé Ah, il est toujours en cours. Très bien. Merci donc... bien. Ok. Donc, 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 c'est en cours. Encore une fois, comme je dis, l'élément, l'un des éléments les plus importants à comprendre ici, c'est le, le Pxe, ok, La, le Pxe Booting en fait, ok, qui va permettre à ce qu'on puisse déployer euh, ces différents nœuds, ok, via le réseau. On va le faire via l'OS euh, qui va être utilisé. Ce n'est pas l'OS Red Hat, ce n'est pas CentOS, c'est l'OS CoreOS, OK, qui est typiquement et spécialement conçu, en fait, pour un environnement euh, euh, de containerisation, OK? Euh, Quelqu'un d'autre? Forrise. voilà. Donc, c'est cet OS qui va être utilisé durant toute le... Euh, pour notre plateforme OpenShift. Donc, c'est ce qui est conseillé, c'est mandatory. Si vous voulez déployer une machine, une plateforme Pinshift, il est obligatoire d'avoir vos contrôles plein ou master sur l'OS, OS. Ça, c'est obligatoire, indiscutable. Okay? Par contre, pour les worker nodes, vous pouvez euh, aller sur le, euh, sur le, du Red Hat, mais ce n'est pas conseillé. Il est conseillé euh, de pouvoir avoir toute votre infrastructure PaintShift sur du CoreOS. C'est ce qui est recommandé. C'est la recommandation. Donc, si jamais vous devez déployer, ayez cela en tête. Vous ne pouvez pas déployer d'abord le control plane, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Pour le worker node, il est recommandé d'aller directement sur du CoreOS, comme ce que nous ferons dans cette installation. Donc, ok, le nouveau kernel. Là, on est en toute fin Voilà. Ok, ok. Donc, ici. Euh, DNS, euh... mais bon, pas bien. Autre question. Bonjour Raymond. Bonjour Aristide. Euh, je prends en une question. Ok, euh, vas-y, vas-y. Est-ce est Internet est requis pendant l'installation euh... C'est requis. Bon, c'est pas mandatorie parce que vous pouvez avoir un serveur en fait en local en fait pour, euh, pour le téléchargement des packages en fait. C'est juste pour ça en fait. Ici, le rate, nous en fait, pendant la phase d'installation, il ira sur le, euh, le registre en fait de Red Hat pour pouvoir télécharger okay. les, différents, euh, les différents packages en fait. Mais si vous avez un registre okay. en fait euh, de package en fait en local, vous pouvez okay. l'utiliser. l'utiliser. Voilà, okay. Simplement. Okay. Voilà. C'est juste ça. Ok, merci. Ensuite. je suis carrément en post-installation voilà donc je fais enter termine l'installation donc ici Emmanuel on a la première phase en fait qui consiste à l'installation de notre serveur utility node ok donc on l'a fait via la commande cette commande Okay, cette première commande-là, comme je l'ai dit, toutes ces ressources sont disponibles sur le, dans le cours Udemy, en fait, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est gratuit actuellement. Donc, vous pouvez directement y aller pour répondre à différents éléments de, de cours, du cours. OK. Donc, donc après cela, j'accepte la licence. Euh... C uh, for Accept 2. J accepte 2, j'accepte la licence. C for continue. Mm, et C for continue. Très bien, donc le serveur est installé, ok. Je peux maintenant me connecter. Je pense juste le temps de pouvoir noter mon adresse IP qui la différence. Je vais maintenant, puisque là par défaut, le l'interface n'est pas connectée au serveur DHCP, donc je vais le faire rapidement pour la première interface. Ok. Donc ici, je lance le Manager User Utility. L'interface ENS 1. Edit. Voilà. Donc, je vais demander à ce qu'il puisse répondre. Ah, OK. Très ah, bien, une fois. Ça, c'est fait. J'ai l'IP. Donc, voici l'IP sur le réseau. En fait, c'est ce réseau-ci. Okay. Dans ce premier réseau. Voici l'IP le, le, qui a été assigné à mon serveur Utility. Okay Donc, euh, c'est l'IP, euh, comme j'ai 192.68.10. Vu qu'il est en mode ACP, je, je récupère juste l'IP. Voilà, 154. Je veux juste euh, le stocker quelque part là. Voilà. Euh, pour que je ne sois pas hygiéné, pour, je vais juste ouvrir une nouvelle. Une, une nouvelle euh, C'est ça, ça. Tout. Voilà. OK. Je vais juste faire une mention. Je bien partant pas tant de là. Je vais juste mieux. Ça. Euh, donc, la machine a été créée. OK. Je, je, je me suis connecté. La a été créée. Je vais maintenant passer à l'installation des différents services. OK. Donc, mais bien avant cela, je vais juste mettre à jour le hostname. OK. Afin que cela soit un hostname, en fait, assez parlant. Voilà. Je fais ça pour aller un peu plus rapidement. Donc, je ressors. Très bien. Donc, à de là, je vais, pour ne pas, justement, l'installation, ne se fait pas directement en route. Okay? Donc, je vais créer un installation qui a des droits sous euh, euh, dos, en fait, tout simplement. Okay? Pendant, la, pendant que je le... S'il si y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. OK. OK. Donc, là, je l'ajoute dans, dans la liste des utilisateurs sudo, l'utilisateur en question, juste pour ne pas avoir utilisé le, euh, le route pour pouvoir faire l'installation. On aurait pu faire pareil. donc. Ensuite, euh, si, si, si il y a deux feux, euh, bon, je peux soit. Je vais juste revenir avec le user m'assurer que... Euh, on va Google pour nous assurer qu'effectivement, on a reçu la sortie. On ping, on s'assure on, on de la résolution pour... Oh. Bien, next step, ceci a été fait. On va maintenant passer à la configuration de la seconde interface OK. notre serveur. On va assigner une IP euh, dans le réseau internal. Okay. On va assigner l'IP la.2, la point okay. à ce serveur. Je vais augmenter un tout petit peu. Voilà. Donc le serveur utilise nous aura l'IP 1010 euh, 10 à la point OK, donc on va, on va configurer l'interface. Donc, ceci étant dit, je viens là. Interface euh, A. Ah, euh, C'est l'interface UNP, CTRL-C. PA. Uh, edit Voilà. Donc, voilà, oh je passe pas assez de visibilité. Bon. Je vais juste assigner l'IP. Euh, je pense que je vais juste sortir de là et revenir. Pour vous. Désolé. <laughs> Merci. Désolé, ce sont les aléas du direct. <laughs> Très bien. Euh, donc, euh, voilà. Alors donc où en étais-je sur l'interface uns 2 Donc je vais configurer l'interface, l'interface en question. Je suis en mode, je mets en mode manuel. Ok. Show. Je lui assigne l'adresse IP. Ok, donc l'adresse IP c'est la 10.10.2. Ok, euh, slash 24. Ensuite, pour ce qui est de, de DNS, on va, puisqu'on est sur le, euh, la, le, DNS sera configuré pour euh, pour répondre aux requêtes sur l'interface euh, internal. Ok, donc ici je vais euh, le configurer sur le, la loopback interface. 127.0. Voilà, le domaine, le domain sous lequel on se voit, en fait, c'est le, le domaine euh, AI Linux. Point Vous pouvez choisir autre chose. Hein. Donc voilà, c'est juste le domaine que je vais utiliser pour, pour le, la configuration. Et n'oubliez pas, cochez euh, l'option Never use on that for this number for default routing. OK Ensuite, euh, ceci a été fait. Je coche la case automatical connect. Une fois ceci étant fait, je dis OK. Je suis bon. Je, je me vérifie. Du fait que l'IP a été assigné. Voilà. Donc, on est bon. Next step. On va permettre à ce que, euh, On va permettre à ce que le... on va maintenant commencer à configurer le firewall en fait. OK, donc du coup, on va mettre un label en fait qui correspond à, qui correspond à chaque euh, réseau. OK, donc on va dire par exemple l'interface ENSP 2.0.2 correspond au réseau internal. OK, pour, conformément à l'HTTP. OK, le réseau internal en fait sera sur le serveur ENSP 0.2. OK, et le réseau external sera sur l'interface ENSP 0.2 pour la première interface. quand Donc on le configure. Euh, je est instant... bien. Très ah bien, ceci ayant été fait, on va pouvoir, comment euh, ici, permettre le forwarding, en fait, bon, du point, le, le destination, destination forwarding, en fait, OK? Donc, ce, cela va être assigné sur chaque interface. C'est-à-dire, lorsqu'une, euh, si jamais, on va, faire, on va permettre, en fait, le, le masquerade, en fait, permet de pouvoir réaliser, en fait, deux, de Destination, destination NAT. Okay, donc, on va l'activer sur chaque interface. Donc, par défaut, ici, euh, ça a été fait sur la première interface. ok Par défaut. Voilà. Euh, on va le permettre aussi sur le réseau euh, et internal pour permettre à ce que ces serveurs puissent sortir sur l'extérieur, sur Internet. ok Ça, c'est obligé, c'est mandatoire il faille le faire. Sans quoi vos machines de réseau euh, internal ne pourront pas avoir accès à Internet. Donc, il faille le faire pour le réseau internal. Et parce qu'on va utiliser on utilisant la machine, cette machine-ci, le utilise nous comme étant la gateway pour ces différents serveurs. Si nous voulons que ces serveurs puissent avoir accès à Internet, euh, cette machine sera la, la gateway. Très bien. Euh, next, après il faut, alors, cela, il faut faire un reload en fait des configurations du de firewall. Voilà. Bon, du coup, l'équivalent d'un commit ou d'un deploy. Euh, si vous voulez voir au, au fil des mises à jour des différentes règles de firewall qui vont être faites, si vous voulez voir le, euh, le contenu des différentes règles appliquées, vous pouvez juste faire euh, un firewall euh, list en fait euh, sur chaque zone. OK? Next step. Ceci a été fait. Ici, le forward est bel et bien activé. Donc, vous pouvez juste vous en convaincre en euh, vérifiant, en lançant la commande de vérification du forward. Il y a un, du coup, le forward est, est activé. Ensuite, on va passer à l'installation du, du DNS, le serveur DNS. OK, très rapidement. On est tout petit peu pris par le temps. Voilà. Donc ici, euh, à quoi on va construire le serveur DNS Je montre juste le contenu. Voilà, il faut construire un serveur DNS. Il est important, il est il est stratégique. Donc, euh, je vous montre le, le contenu du serveur DNS. Euh, on aura trois fichiers à configurer. Le name.conf, name pour ceux qui sont déjà habitués à configurer un serveur DNS. Le name.conf, la zone reverse et la zone en photo, fait, euh, on va dire la zone de résolution IP euh, non domaine IP et la zone rese, reverse, la, la résolution euh, IP non un domaine. Ok, donc on va configurer cela. Donc pour le premier nom, euh, le premier fichier. Voici, voici le contenu qui va être appliqué. Voilà, on aura, il va écouter sur l'interface euh, loopback et sur l'interface euh, interne, ok? Pour pouvoir faire tous les serveurs qui vont être dans le réseau N4 euh, vont pouvoir faire leur résolution, effectuer la résolution DNS, ok? Aussi le CV, euh, donc on, on permet à ce que le réseau, si en fait, puisse faire la résolution DNS. Ensuite, pour une résolution qui, qui est externe au domaine on va directement froider la requête euh, vers le serveur euh, Google. Okay? Ensuite, le domaine sous lequel ce serveur DNS est autoritaire. Okay? On va configurer les différentes informations de, de, de zone okay? via ce premier fichier. Et la zone reverse va être configurée via ce fichier, tout simplement. Donc, on y va un tout petit peu rapidement. Jusque-là, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Okay? Donc, on, on y va. Le premier fichier. Etc. Then. Hmm. Ah, je vais configurer rapidement. Je reviens ici. Bon, je vais pas voler. Juste une question d'écran. Mmh, yeah, yeah. Ok. Donc ici, on avons reçu par défaut. On va juste, euh, on va dire, vider le contenu pour aller rapidement. Euh, J'aurais pu le faire via. Euh, le écho, mais bon, je vais maintenant... Donc, je prends ce contenu rapidement. J déjà, je l'ai déjà expliqué. Contrôle C. Puis... Dans mode d'insertion. Voilà. Je le sauvegarde. Très Très bien. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, euh, dans le fichier name.conf, j'ai dit que le ben, fichier de configuration de zone sont ceux-ci. OK? Donc, il faut que je les crée, les crée en fait. OK? Donc, je vais juste créer le répertoire. Par défaut, ce répertoire zone, en fait, n'existe pas dans le, dans le répertoire euh, NMD. OK? Euh, MKD. Voilà. donc je crée créer ensuite les fichier, mes, mes différents fichiers. Donc, je vais vous expliquer le contenu de ce fichier avant euh, la création. Donc, ici, le premier fichier, est le fichier de, de zone, c'est euh, est un fichier extrêmement important pour la suite en fait, de, de, de la configuration. Donc pour chaque serveur... Ici, j'ai déjà, déjà mon plan d'adressage qui a été renseigné. Okay? Comme vous le voyez ici, le serveur utility euh, a son IP. Okay? Je sais déjà dire, si jamais dans votre environnement pour le déploiement, vous avez un plan d'adressage déjà prédéfini, okay? vous pouvez déjà le, le, le charger en fait, sur votre serveur DNS okay? bien avant l'installation. Donc, je sais déjà dire que le serveur bootstrap aura cette IP. Le serveur OCP, le serveur, ou le contrôle plein en fait, aura cette IP. Okay? Ainsi, ainsi de suite, même les worker notes voient les IP des de... de, de, de Uh, the work node, OK? Pour ensuite, les différents domaines, en fait, internautes, notre OCP, OK? Je vais déjà, je le dire. Par exemple, lorsqu'on va vouloir atteindre, atteindre ce domaine, API, OCP, point, qu'il pointe, qu'il tape d'abord sur le serveur euh, Utility. Pourquoi on l'a fait ainsi? Parce que sur Utility, il va être, être installé notre achat proxy, OK? Donc, lorsqu'il va recevoir les requêtes le, euh, sur l'IP, cet IP, en fait, le achat proxy par derrière, par derrière, va load balancer, en fait, les requêtes vers le, les serveurs cible en fait tout simplement d'où l'intérêt de pouvoir dit euh, configurer euh, dit à cette domaine par exemple pointer vers le serveur DNS pour le serveur d'utiliser le HSA proxy qui derrière va, va rédiger la requête vers le bon le bon serveur ok donc ceci étant dit donc je, je vais donc, jusque là s'il y a des questions n'hésitez pas Euh, disons euh, Aristide, disons qu'on euh, a le domaine, euh, de, le, on a le domaine euh, e -Linux, euh, e Linux, déjà configuré sur notre, euh, sur notre subnet. Peut-être ces serveurs Windows Active Directory, on peut on peut l'utiliser euh, euh, alternatif à cette euh, solution. Comme, comme ça déjà existe, l'environnement déjà existe. Ok, euh, si l'environnement existe, ça peut tout aussi bien être utilisé. Il faut juste en fait mettre à jour en fait, dire simplement au DNS serveur à quoi va correspondre ces, 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 à quelle IP correspond ces différents, euh, différents hostnames en fait. Tu vois, il faut tu peux juste mettre à jour okay. en fait le, le serveur DNS pour simplement dire à quoi va correspondre ces, ces différents hostnames tout simplement. Tu peux répartir ou pour aller sur un host, euh, un nom de domaine existant, ok? Mais le plus important est de pouvoir dire lorsqu'on va pouvoir lorsqu va vouloir résoudre cette hostname en fait à quelle IP ça va correspondre tout simplement. Il faut juste mettre à jour votre DNS existant avec ces différents records DNS. Juste mettre à jour le, le DNS existant avec ces différents records DNS tout simplement. C'est bon Allô, Georges? Oui, merci, merci beaucoup. OK. Euh, donc, next step, euh, on va... Euh, autre, pardon. Euh, le deuxième fichier, le fichier de, de zone reverse, Voilà. Euh, je... euh, donc, ici, le premier a été mis à jour. Euh, la zone reverse, OK. Permet pour que euh, dans l'installation, c'est pas ce n'est pas le plus important, c'est la zone forward en fait. Donc, ce qui est plus, plus euh, important, donc la zone reverse ici, voici euh, comment est-ce qu'on va configurer ici à ce niveau. Ok, donc si jamais on veut on veut savoir quel hostname, quel hostname en fait à tel IP en fait, on il va falloir configurer la zone reverse. Ok, je vais faire et euh, Oh, 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 oh. Yeah, yeah. super. Ceci a été fait. Je peux mettre à jour le euh, CH1. le service Nimd. Je vais mettre à jour le droit d'accès au fichier puisque là je l'ai fait avec le, le groupe. Donc il fallait que. Le service DNS puisse avoir accès à ces fichiers pour pouvoir faire la résolution. Très bien, ceci ayant été fait, j'ai terminé la configuration de mon serveur de service DNS. Ok, je peux passer à la prochaine étape qui va pouvoir mettre qui va à mettre à jour le, le firewall. Ok, permettre à ce que le, les ports euh, 53, ok, soient disponibles sur le euh, sur le, sur le réseau. Ok. En plus, afin d'y pouvoir, y, afin y, pouvoir, y mettre nos différentes requêtes. Je, je voilà, je fais ça. Hmm, next step, faire le reload. faire un petit Faire ah, bon. Le reload, on est bon. Partant de là, je vais commander à réaliser le enable, en fait, c'est-à-dire activer le service de démarrage au cas où mon serveur que le service DNS puisse être redémarré, d'où le, 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 le enable. Bon. On est habitué à cela. Ceci ayant été fait, je vais checker. vérifier le statut du service. Voilà, Q. Tu... Ensuite, pour permettre, si vous remarquez, si actuellement, si je lance un ping en fait vers mon le nœud utility, et ça va être chaud, ça ne marche pas, ok Juste parce que en fait, il me faut mettre à jour le le net qu'on a, le, le fichier et pour que la résolution puisse se faire en local ici, ou si jamais je veux que le DNS en fait local puisse être testé depuis le serveur local. Donc, je vais mettre à jour mon fichier etc. C'est juste pour, pour le local. Ici, comme vous le voyez, il pointe vers, vers un autre serveur DNS. Ok, donc je vais juste dire à mon serveur DNS, si jamais tu veux faire une résolution, pose la question à toi-même en fait, tout simplement, sur une via l'interface euh, internale ou l'oubac. Ok. voilà ici et, si, et je vais désactiver puisque comme vous le voyez ici euh, il est il est mis à jour règlement par le network manager donc je vais désactiver ce, désactiver en fait ce ce ce, behavior, ce comportement ok euh, pour le désactiver il faut, il faut juste mettre à jour le euh, fichier deux voilà je vais ajouter cette instruction et DNS NOM afin qu'il ne puisse pas euh, mettre à jour mon fichier de DNS. Je finis celui-là, le fichier resolve.conf du moins. Euh, je redémarre le. Je fais un reload en fait. Voilà. Ça c'est pour éviter qu'il puisse mettre, remettre à jour automatiquement le fichier resolve.conf. Donc ayant fait cela, je reteste à nouveau. Voilà, super. Donc la résolution se fait localement. Donc, je peux avancer rapidement. Autre chose, seconde étape, euh, le se Boot qu'on veut mettre en œuvre, en fait, hein, il se fait via... Euh, C'est suivant les MAC adresses, en fait, que l'installation va se faire. Okay? C'est comme si dans votre réseau, vous avez des serveurs physiques Ok, ok, qui sont branchés sur vos switches donc vous savez exactement à quelle MAC adresse correspond ce serveur physique. Je, vais, je réponds encore une fois, cette partie est extrêmement importante. Ici, on va, faire les, on va supposer que dans notre environnement notre data datacenter, on a euh, nos on va dire six serveurs okay, qui sont neufs branchés sur le réseau et on sait à quelle MAC adresse correspond chaque interface ces réseau branchée sur le réseau. Okay? On veut que l'installation se fasse de manière, euh, le provisioning, l'installation des OS se fasse de, mani se fasse de manière automatique. C'est ça aussi la puissance de PXE. On veut que l'installation soit se fasse de manière automatique l'installation des OS se fasse de manière automatique. Mais ce qu'on sait, c'est juste l'interface réseau. de ces. On a l'adresse MAC, en fait, de ces, de ces différents serveurs. Okay? Donc, on va les récupérer. Et à partir de l'adresse MAC, l'installation va, va pouvoir se faire automatiquement. Dans notre cas, de notre lab, dans notre lab ici, n'ayant pas d'adresse de, de serveur physique, on va un peu simuler. OK on va simuler le fait qu'on ait des adresses de MAC disponibles sur notre réseau et pouvoir faire l'installation. Donc ici, j'ai généré des adresses de MAC aléatoires. Okay, la commande de génération est celle-là. Vous pouvez euh, utiliser la même commande euh, plus tard pour pouvoir générer vos adresses MAC. Je l'ai déjà fait. Donc en fait, si vous voulez le faire aussi, faites-le. toi euh, c'est voilà. J'ai lancé la commande en fait, qui se bat en fait, sur la date, un checksum MDS. Et il prend en tête, il la colle en fait à ce... Il la colle à ce déjà à, à cette section en fait. Voilà pour pouvoir générer cette adresse Mac. OK, Donc, voici l'adresse Mac qui m'a été générée. J'aurais pu prendre celle là, je, mais je l'ai déjà fait auparavant. Donc je vais dire que mon serveur physique, par exemple Bootstrap, OK, à cette adresse Mac, ou bien aussi l'interface réseau de, du serveur Control Plane qui est destiné à être contrôlé en fait à cette adresse Mac. Mon deuxième control plane physique en fait à cette adresse Mac l'interface du moins l'interface, réseau à cette adresse MAC. Ici nous sommes au niveau 1 de la couche OSI, on a cette adresse MAC, OK On veut on veut on va passer à la PXE boot pour faire le déploiement automatique de l'OS. Mais pour l'instant, on a généré l'adresse MAC, la première étape est réalisée, on va pouvoir avancer. Deuxième étape, c'est de pouvoir créer le serveur DHCP server et le configurer. Le DHCP server, l'intérieur de PXE boot ici, je reviens juste ici. Euh, pour ceux qui ne sont pas habitués au PX boot, rapidement, le PX boot ici, il va, euh, il faut un environnement de démarrage en fait pour l'installation des OS. Donc ce qui va se passer, quelqu'un veut se connecter, a, allez, okay. Donc ce qui va se passer, pour le PX boot ici, il va rechercher. L'adresse IP du serveur DHCP va faire un bloc, il fera faire un IP request en fait, sur le réseau, le réseau okay, okay. et le serveur DHCP va le répondre avec l'IP, avec une IP en fait, euh, qui va correspondre en fait, à, à son adresse MAC. Donc, lorsque l'interface réseau du serveur physique était branchée sur le réseau, il fait un IP request, et si jamais il y a un serveur DHCP disponible, bon, il va rechercher dans, dans, son, dans sa, dans sa, dans sa table de correspondance à quelle IP correspond telle mac adresse et lorsque le serveur dscp va va finir voici l'adresse ip qui est à telle adresse mac serveur le serveur va penser cette ip là et commencer à, à le charger ok ok lorsque l'adresse l'adresse ip est configurée sur le serveur en question on va dire le bootstrap il va rechercher le, le il va aller, il il le fichier de menu en fait pxe0 en fait le fichier d'amorçage lorsque le serveur, le fichier d'amorçage est, est téléchargé Lorsqu'il est téléchargé, il sera maintenant, euh, il va ensuite aller télécharger le fichier de menu, en fait. OK Le fichier de menu, en fait, de, de, on va dire de, de boot, OK Il va booter sur le réseau. Le PXO permet de booter sur le réseau, il va télécharger le fichier de menu. Lequel fichier de menu va être euh, créé de manière spéciale Généralement, pour les, PXO, pour les installations PXO, en fait, on a pour but de pouvoir créer juste un fichier, PXO, euh, un fichier default, en fait. Mais dans nos cas ici, en fait, il sera euh, créé de manière différente. Le fichier de default va être créé de manière différente, ce qu'on va voir tout à l'heure, ok Donc ici, euh, je vais d'abord installer mon serveur euh, DHCP. Serveur, je l'installe rapidement. Euh, voilà, il est installé. Je vais juste, bon, ici j'ai dit directement le fichier de configuration. Ça, c'est pas bien. Il faut d'abord faire la mise, le, le backup et l'édition. Mais bon, vu qu'on est a... On a une comptabilité de temps, de raison pour laquelle je vais euh, un peu rapidement. Mais en production ou tout ailleurs, il faut faire d'abord le backup du fichier configuration d'origine avant euh, de le modifier. Voilà. Donc, ici, euh, le fichier DACP, je vous montre juste le contenu. Alors, on vous l'avez déjà ici. Bon, il est important que je vous explique le contenu. Le serveur DACP, que va-t-il faire Il va, bon, ici, je, il, va, il fournit les informations suivantes. Le serveur de, on va dire le, le, la gateway, il va donner l'information de la gateway, le domaine sur lequel vous êtes, ok. Le DNS serveur, c'est encore le même serveur la point 2. ok. Ensuite pour la partie PXE boot, ok, c'est important, il va, il va vous dire en fait qui est le serveur de PXE boot en fait sur votre, sur, sur le réseau, donc sur, sur la point 2, c'est encore la point 2. Et le fichier de d'amorçage PXE, il va là dans le répertoire par défaut, et il va le télécharger. Donc si ces deux lignes sont manquantes, elles sont manquantes, vous ne pouvez pas réagir le PX boot en fait, via ce DHCP. Donc est, il est important que vous puissiez à ces deux lignes là pour que le, le booting puisse se faire. Très bien. Euh, donc ceci est indiqué pour les différents adressages, pour les correspondances. Ici par défaut voici la plage de d'adressage IP qui est de la 80 à, à 99, OK. Mais par contre puisque moi j'ai déjà préassigné en fait des, des différents des différents IP vous pouvez changer, mais ici ça, ces IP, là correspondent très bien à, à, à ceux-là, en fait, qui ont été mis dans la, la partie DNS, le, la zone forward. Okay, donc, il ne faut pas se louper à ce niveau. Donc, ici, chaque MAC adresse, en fait, correspond à une IP bien précis. Okay, donc, si jamais vous avez des MAC adresses différentes, il va falloir vous assurer que euh, vous ne vous loupez pas à ce niveau. Okay, C'est extrêmement important. C'est un élément assez euh, crucial, en fait, pour le PUC Booking ici, dans notre cadre. Donc ici, je mets à jour le fichier configuration. DDD. D'accord. Voilà. Très bien. Une fois réalisé, mon DHCP est configuré. Je vais mettre à jour le firewall pour autoriser le routing, ouvrir euh, le, 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 pour le port euh, DHCP. Voilà. Une fois ceci a été fait. Je reload le service. OK. J'active le service au démarrage. Bon, là, il faut que euh... le service. Donc, on est bon. Ensuite, on configurer... on... nous allons configurer le, le service euh, Apache. OK. Ensuite, nous allons configurer le, le HAProxy. Ici. Bon, on, va, on va juste l'installer et hein. faire une configuration de base en fait. le, le port par défaut ne sera pas le port 80 mais on va, va switcher pour le mettre sur le port euh, 80 80 ok donc ceci interfère on va juste autoriser le, le flux ici voilà Ensuite, next step, on va activer le service HTTPD. Euh, HTTP, on démarre le service. Très bien. Euh, donc, next step, on va ensuite configurer notre serveur HAProxy. Ici le HA en hein, je vais parler rapidement de la configuration qui va être faite. Euh, y a, y a... Comme déjà mentionné, le HA euh, ici voici le contenu. Euh, il permet juste, pour, il, juste, il permet de manière stratégique, c'est un composant important, de pouvoir le balancer les requêtes en fait dans, en back-end, euh, en back ok Donc ici toutes les requêtes qui vont, il va se mettre en écoute. Il se mettra en écoute sur le, sur le port 644, sur le port 22623, euh, sur le port 80, okay, sur le port 443, tous ces ports, en fait, sur les ports en fait, de nos, des différents services de, euh, de, notre, de notre environnement euh, OCP. Okay? Donc, il va se mettre en écoute oh, de sorte à ce que lorsque les différents services, ces différents serveurs seront app, en fait, qu'ils puissent rediriger euh, le, le les requêtes sur ces différents serveurs. Okay, donc, on euh, donc Je reviens. Euh, juste je, je le contenu. Euh, next step. Next step, euh, euh, je vais mettre à jour le firewall, en fait, pour, afin d'utiliser l'ensemble de ces différents ports, en fait, sur lesquels euh, notre ASAP aussi est en écoute. OK? tous ces services. Je les... Si vous remarquez, on le fait à la fois sur la zone interne que sur la zone externe. Pourquoi? Parce que euh, en fin d'installation, il faut qu'on puisse... C'est l'extérieur qui va... L'extérieur va vouloir, en fait, avoir accès à nos différents services, aux différents services d'OCP. D'où l'exigence de pouvoir, en fait, autoriser le, le, les différents flux sur le port sur l'external et internal Donc, on a terminé le, la mise à différents fait Faire un rôlo pour Apply, faire un Apply. Le souci a été fait, je vais ensuite euh, mettre à jour le, S et le Linux afin que le service à sa portée n'ait pas de soucis. Voilà, j'active le Le service, ça s'apporte ici au démarrage. Je vais vérifier le statut. Bien. Ceci ayant été fait, on va maintenant... Bon, ici, euh, le NFS, je vais juste le sauter. Ce n'est pas mandatoire dans un premier temps. Voilà. Je vais juste le sauter. Voilà, mais plus tard, on pourra le faire. Si ça, c'est si jamais euh, vous voulez qu'il y ait un CVNFS sur si votre, mais il le faudra aussi. Pour un stockage en fait externe à votre environnement OCP, où on aurait besoin, c'est mandatorie. Mais je pense que dans une prochaine session, on va y revenir. Donc, pour l'instant, ce n'est pas mandatorie pour, pour la phase d'installation de, de notre environnement. Donc, je passe à l'installation du, du TFTP server. Par contre, il est mandatorie pour le PX Booting. Donc, on installe, on va le configurer tout à l'heure. On l'installe, on active le. On l'ajoute au firewall. On tourne sur le firewall. Voilà. Donc, ici, pour pouvoir permettre à ce que le système, euh, système de, de, de notre environnement CentOS puisse démarrer le service sort FTP, on va mettre à jour le. On va créer un fichier de configuration qui vont permettre à ce que le, le système, d en fait, puisse euh, démarrer et arrêter le service. Voilà. voilà. Ça c'est important. Euh, ceci ayant été fait. Pas encore terminé. On va juste signer la première étape. On va créer le fichier d'amorçage qui va permettre. Euh, ensuite, voilà. Voilà. On va permettre de mettre le fichier exécutable. Et. Du coup, on va faire un reload pour nous assurer que c'est bon. Euh, ici, on va activer le service TFTP au démarrage. Alors, du moins, le site vient d'être créé. Okay. Ensuite, euh, maintenant, on va passer à la configuration même de nos notre environnement PX2. Okay. Donc ici, on va créer le répertoire dans lequel on va, euh, on va venir récupérer l'ensemble d'informations de, de booting. Yeah, on avait tant temps qu'il est content donc je vais d'accélérer un tout petit peu. Voilà, je vais recopier l'ensemble des, des différents fichiers de boot, euh, d'amorçage du moins. Dans ce répertoire, dans le répertoire TFTP, par défaut, le, le PXE euh, PX Linux 0, cela va être récupéré dans, le répertoire, dans ce répertoire-ci. OK? Ensuite, je vais créer le répertoire dans lequel va être stocké nos différents ISO. Bon, l'ISO en fait de, de, de uh, notre uh, CoreOS. Voilà. Ensuite, je vais passer à l à, à, au téléchargement des différents paquets qui me seront nécessaires. Je ça le fichier du canal. Le canal, en fait, je vais le télécharger. OK, et je vais le déposer dans le répertoire, euh, dans le répertoire que je viens à l'instant de créer, OK. Ensuite, le init, init RAM FS. OK, je vais aussi le télécharger. le pousser dans le même répertoire. Toutes ces informations, euh, ces fichiers sont importants, en fait, pour le PXE. Okay. Euh, next step, je vais ensuite pour les besoins de mode, de, du XE Linux, en fait, je vais mettre à jour les différents droits sur le fichier, euh, sur le répertoire. Okay. Bon, je vais juste vérifier qu'il y a bel et bien nos deux fichiers. Après cela, je vais télécharger l'ISO. Ok, donc on va, on va continuer le paramétrage de notre serveur. Ici, l'ISO, notre ISO en fait, dans la, lorsque le binu va être présenté aux différents serveurs, l'ISO va pouvoir être téléchargé dans ce répertoire à, à, à Apache. Ok, ben, il faut il faut le créer. Là, voilà, donc je télécharge le fichier et je vais pouvoir le mettre. Donc enfin, ça c'est l'ISO, hein. Le c'est l'ISO en fait, c'est l'équivalent de l'ISO. Il va être utilisé pour installer notre euh, environnement CoreOS. Donc, vous le voyez ici euh, Red Hat CoreOS en fait live, euh, le root, le fichier boot en fait qui est en train de télécharger. Donc après cela, je vais juste euh, déposer ce fichier euh, ISO, okay, dans le répertoire de téléchargement, OK. Voilà. Après cela, lorsque c'est fait, je vais juste, pour les besoins du SLUNIX, en fait, je vais mettre à jour les droits. Euh, voilà. Je vais faire pareillement sur ces autres répertoires. C'est mandatory, sans quoi votre installation va vous, vous donner, donner du fil à retordre. OK. OK, si je mets à jour les différents droits accès au répertoire permettre à ce que Apache puisse avoir accès au répertoire. Donc ceci a été fait, on est bon. Ici, pour le PX booting euh, à partir d'une adresse MAC fixée, okay, il est important de créer des fichiers en fait, de configuration bien spécifiques dans le répertoire qui a été créé, parce que lorsque, comme je, comme je l'ai dit euh, tantôt. Pour le téléchargement de menu euh, d'installation qui va permettre de pouvoir retrouver les fichiers d'installation, il faut créer, par bah, défaut, on crée, il y a un fichier défaut qui peut être créé. Okay? Mais dans notre cas ici, puisqu'on on veut faire une correspondance, BAC adresse correspond à tel serveur, et ce serveur est destiné à pouvoir héberger un certain un type d'OS, un, un type en fait, de, de software. Que ce soit euh, euh, master Masternode, euh, Bootstrap Node ou worker Node. Okay? Donc, on va, dans ce répertoire, il faut créer euh, un, un fichier bien spécifique pour chaque, chaque type de serveur. Okay? Et ce fichier, la nomenclature du fichier, le respect des normes bien précises. Okay? À savoir, mettre, on met le 0, 0, 1-suivi de la marque adresse du serveur euh, cible, comme spécifié à ce niveau. Donc, je crée-01-la MAC adresse et chaque MAC adresse, bon, est séparée en fait d'un tiret Ici, par exemple, pour le premier serveur, voici la MAC adresse et je dois remplacer les deux points par un tiret Donc, je crée ce, ces différents fichiers-là. Donc, ces différents fichiers, sachant que le menu, le fichier de menu, c'est important. Je vais prendre un tout petit peu de temps pour pouvoir vous expliquer. Le fichier, voici le premier fichier de menu, en fait, qui va être, être euh, téléchargé euh, et qui va permettre à ce qu'on puisse faire l'installation. Donc, le fichier de menu, le voici. Pour le premier serveur, Bootstrap. Ce serveur, ce MAC adresse, c'est la MAC adresse de la Bootstrap. Un instant, je... Cette MAC adresse, c'est la MAC adresse de de du Bootstrap Node. Okay? Le fichier menu va, va être téléchargé. Comme vous le voyez, euh, ici, ouais, pardon, c'est la MAC adresse du Bootstrap Node. Okay? Euh, comment je le sais Ici, par exemple, je sais dire le DACP, par exemple, ici. Je sais dire cette, cette MAC adresse correspond au Bootstrap Node. Okay? Voici l'IP qui va lui être assignée. Et pour ce faire, je vais créer son fichier de menu. Ok, Et comme ici le menu Bootstrap Node, il va télécharger des fichiers qui lui sont propres. Quelle est la différence C'est par exemple ici le fichier index.html en fait il va télécharger pour le Bootstrap Node. Pareil pour le serveur Master, ils auront des fichiers bien spécifiques qu'ils vont devoir télécharger. Aussi, ensuite, de suite, suite ces fichiers vont être, vont être créés par la suite. Ok, on va les créer tout à l'heure, mais je vous montre en fait quelle est la différence entre ces différents contenus. Ok, donc ici. Le worker Note, ils vont avoir ce menu. Le, le Master Note aura ce menu. Et le Booster Note aura ce menu. Obligatoire. Donc, je vais créer ces fichiers. Sans plus tarder, je crée rapidement le fichier, ce premier fichier, le Booster Note. Euh, je le crée dans le répertoire. Yeah. Euh, je vais créer, je mets le contenu. Voilà, on est bon. Ensuite, le second fichier. Il y a le deuxième fichier. Donc, je vais juste mettre un voilà, là, là. ici. Voilà. Je sais, par exemple, que le second, il a. Ça, c'est le premier, on vient de créer. Le deuxième. Le deuxième, c'est le premier server master. Je vais y aller rapidement, puisqu'on a. je m'assure juste que. Ah, bien, rien n'avait créé. Voilà, je vais créer le deuxième fichier, le... le master node. Le master node 1. 47. Donc, c'est le master node. Donc, je prends le contenu du master node, je m'en assure. Voilà. Euh, la section que je passe, Pas parce que c'est un tout petit peu. Ça, on aurait pu automatiser, mais pour pour les besoins de formation je vais doucement deuxième serveur master node voilà euh, master node deuxième serveur master node je prends le contenu troisième serveur master node j'ai déjà préparé ces informations donc Et voilà. euh, qui entre. Ah, ok, on a un invité. Donc, troisième serveur master node. Euh... Désolé, je prends du temps, mais parce que c'est un peu délicat. Tu as là, tu veux de poser des soucis à ton installation, donc je prends le temps de vérifier. Euh... Ensuite, on passe au nœud Walker. Vous remarquerez que sur 017, par exemple, correspond euh, au Walker Node 1. Je vous montre. PHP euh, 07. Voilà, comme vous voyez, 07, c'est le... Euh, il a le est dessiné Walker Node 1. Okay? Donc ici, donc on a bon. 07. C'est pour le, le menu d'amorçage du serveur Worker Node 1. Je diminue ça. Donc, ici, le Worker Node, voilà, voici le contenu. Et la seule différence, bon, c'est le serveur Worker.ini. On va tout à l'heure le créer, comme je l'ai annoncé tantôt. Euh, alors, Aristide. Oui, oui allez-y. J'ai une question. Euh, si j'ai bien compris, oui. pour, chaque, pour chaque fichier Worker, euh, on a un fichier ou bien on a un seul fichier pour tous les workers? On a un type de fichier. Oui, on a un seul type de fichier. Le contenu ne change pas pour les workers. Okay, pour l'ensemble le, okay. des workers, le contenu ne change pas. Ok, ok, Donc, ok. Voilà. Le, tu verras que ici, j'ai fait pour le premier, je vais prendre exactement le même contenu pour le, pour le deuxième worker. Seulement que la seule chose qui change, en fait, c'est l'adresse MAC ici. OK, OK. okay. L'adresse marche changer en fait. Pour okay, que quand il y yeah. a en fait vers le DHCP, en fait, on puisse. Euh, voilà, okay, OK, OK. Charger okay. le bon fichier en okay. fait. Exactement. D'accord. OK. Euh, donc, le contenu pour ce worker. Euh, OK, voilà. 7, euh, voilà. Donc. Pour chaque type de fichier, en fait, euh, les, pour chaque euh, type de serveur, le, le contenu reste le même. Donc ici, c'est fini, on a terminé. Voici la partie. Là. Euh, on va dire, on a terminé la création de nos différents fichiers en fait d'amorçage, OK, de menus d'amorçage d'installation. Si vous remarquez bien, le contenu, je reviens encore une fois à ce niveau. Il y a deux informations qui y sont l'installation du boot. Euh, du, du boot donc l'OS va être installé grâce à cet ISO. Voici l'ISO. Donc on va d'abord installer l'ISO, ok. Lorsque le... donc du coup l'OS va être installé grâce au PX booting, lorsque c'est installé, ok, ce init File, en fait c'est pour la partie en fait euh, euh, OpenShift, ok. La plateforme OpenShift en fait va avoir besoin de ce fichier en fait d'installation. Il sait exactement partant de là où sont les Worker nodes en fait qui vont permettre l'installation. Donc, il y a deux informations qui sont, qui sont euh, avec le pays se Boot, en fait. Et le core OS, il y a d'une pierre deux coups, vous installez l'OS et vous installez, en fait, la plateforme OpenShift. Open Voici tout l'intérêt. Voilà. Donc, on avance à ce niveau. On va maintenant créer les différents fichiers, ces différents fichiers, générer ces différents fichiers. On va maintenant passer à la génération de ces différents fichiers, les fichiers initiation in File, en fait. Donc, on va passer à ça. Pour le faire, nous allons euh, d'abord installer les différents binaires, bon, on va dire les binaires en fait, d'administration de, de notre plateforme. OpenShift. Okay Ces binaires peuvent être installés aussi bien sur une plateforme Windows que euh, ici nous sommes sur une plateforme euh, euh, Linux. Okay Donc depuis le serveur, serveur Utility, on veut pouvoir en fait, administrer notre environnement euh, OpenShift, par exemple. Donc nous allons devoir installer, télécharger et installer les différents binaires. Donc on le fait rapidement. Euh, donc je voilà suivant je vais télécharger le fichier package je vais le déziper bon, je vais juste je vais afficher pour tout le monde voilà donc je j'ai téléchargé le fichier je vais le déziper le déposer dans le dans le pour pouvoir le permettre, permettre l'exécution voilà donc je le déplace en fait le fichier les différents fichiers en fait dans le dans le, 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 le local bin pour permettre l'exécution. Okay, donc euh, si ceci est été fait bon de manière je peux supprimer les fichiers à nouveau puisque l'installation est terminée bon l'installation consiste au fait que j'ai mis en fait les différents binaires en fait dans le répertoire okay je, euh, je, euh, je, 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 le bas voilà deuxième fichier de binaire à télécharger ok donc ici euh, donc on installe on va installer le deuxième binaire euh, qu'on va pousser dans le répertoire voilà OK, je supprime le fichier après installation. Voilà, bien. Donc ici, pour nous assurer du fait que ça a été, cela a été bien, et bien installé, je peux juste vérifier la version. Voilà, 4.6, ah, ça va vite. Bien. Euh, donc, on est bon. Je vais générer en fait le fichier, en fait, euh, la paires de clés publiques privées qui vont permettre de pouvoir faire, réaliser la connexion sans mot de passe à nos différents, vers nos différents serveurs. Donc ici on va le démarrer. On devine le fichier, la paire de clés. Cette paire de clés sera importante pour nous, importante pour nous pour pouvoir avoir accès à notre environnement en mode SSH, sans mot de passe. Bien. Euh, deuxième, deuxième élément important, pour pouvoir vaine, déployer une plateforme shift euh, Red Hat vous permet d'avoir gratuitement en fait, euh, des clés d'installation valides pendant euh, deux, euh, deux mois, 60 jours, deux mois. Okay? Donc, 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 du coup, vous n'êtes pas obligé de forcément acheter une licence d'emblée. Euh, D'où la raison pour laquelle je, je peux faire, j'ai réussi en fait à faire ce, ce, cette session. Quelqu'un veut nous rejoindre euh, Autorisé. Voilà. Donc, ici, donc pour ce faire, je, j'ouvre une console, en fait, de. Mais moyennement, en fait, une inscription. Il hein, faut vous inscrire. Donc, ici, je me suis déjà inscrit. Hein, donc, euh, je vais me connecter juste avec mes codes Voilà. Donc, en Faites pareil. Bon, lorsque vous irez en fait, sur, le, sur le lien, il va vous demander de vous, vous inscrire simplement. C'est gratuit. Donc, euh, et un secret en fait vous sera généré. En fait, OK. Clé, clé, en fait de création de, de votre environnement euh, cluster en fait euh, est valide pendant deux mois, gratuitement Vous fait. Donc, vous pouvez le faire sans débousser un sou dans un premier temps. Après les un mois, bien évidemment, votre cluster sera désactivé tant que vous n'aurez pas en fait. Euh, une solution valide en fait donc ici je crée la fich le fichier des de, 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 de secrets donc ici je vais je vais copier cette j'ai ces copier pour avoir l'information euh, je colle l'information voilà je regarde ah oui désolé je qu'est-ce que, Qu que j'ai fait ah oui je vais faire celui de... Je suis dans l'environnement. Euh... Ah oui, attends. Je devais juste le le fichier de CTRL-C. Euh... Q, le ce que je n'avais pas, mais... pas créé. I didn't create it, Sorry. Hmm. Donc, alors, voilà. Bien. Donc ceci ayant été fait, je vais maintenant. On peut créer un répertoire en fait, d'installation, hein, qui va un répertoire temporaire d'installation, qui va contenir nos différents euh, fichiers dans lequel nous allons pouvoir générer les fichiers ini file en fait. Donc, okay, on le crée. Euh, eh bien, je vais créer ensuite un fichier important pour la phase d'installation. C'est le fichier euh, Install Config Base. Dans ce fichier Install Config Base, en fait, là, je dis dans un premier temps, en fait, quel est le type de réseau, le CNI qui va être utilisé pour mon installation. Ici, je vais aller sur le OpenShift SDN. Pour l'installation, voici mon réseau de, euh, le réseau de service et le réseau de pause en fait qui va être créé, ok Il va être créé. Vous pouvez le changer, mais bon, je laisse les par défaut traditionnellement euh, en fait. Voilà. Donc ici je dirais en fait sur trois avec trois master voilà pour mon installation. Donc je génère, je génère le fichier. Euh, je génère le fichier. qui euh, du temps qui est entendu classé. Donc Ceci a été fait. Lorsque le fichier est généré, je vais le pousser dans mon répertoire OCP4 que j'avais eu à créer. Je reviens. Voilà. Très bien. Euh, je vais Voilà. Très bien. Je peux aller dans le répertoire hein, OCP4. Je dois aller dans le répertoire pour continuer mon installation. OK. OCP4. Voilà. J'y suis attend de là je vais générer en fait le fichier de manifeste de création important donc ici je cible en fait le répertoire de destination ok donc euh, ceci ayant été fait je génère voilà je m'assure que les répertoires voilà, ont été créés voilà ici vous avez comment la topologie en fait, de futur de votre futur euh, plateforme OpenShift qui va être installé. Je vais aller un peu plus rapidement sur le temps. Je vais avancer. Ici, dans mon installation, je vais j'aurai en fait trois, trois nœuds worker, deux nœuds euh, deux noeud, en fait, trois nœuds euh, euh, control, control play et deux nœuds master node. Ok. Ici, euh, partant de là, je vais maintenant générer les Initial Files dont je parlais tantôt. OK? Nous, les différents fichiers Initial Files vont être générés maintenant. Voilà. Donc, ici, je fais un ls. Ici, vous voyez les différents fichiers Master, Bootstrap et Worker okay? qui, seront importants pour le, qui seront utilisés pour la, la phase d'installation. OK. Ceci a été fait. Je vais maintenant chercher à pousser en fait, ces, ces différents fichiers en fait, dans le répertoire. Euh, dans le répertoire Apache, en fait. Donc, pour ce faire, je crée d'abord le fichier, le répertoire initial. Je, je le crée. Voilà. Et je vais mettre à jour juste les droits d'accès à ce répertoire. Euh, non, je vais juste pousser, du moins, pousser et après mettre à jour. Je vais pousser les, pousser les informations. Je vais pousser mes différents fichiers dans le répertoire. Voilà. Mettre à jour les droits d'accès à ces différents fichiers lecture et pour les besoins de S Linux okay, je mets à jour aussi euh, le droit d'accès au sous le répertoire bien je vais que le, les fichiers ont été bel et bien poussés ok voilà on y est tout, tout y est voilà euh, encore une fois je reviens encore là dessus je l'ai créé parce que si vous vous rappelez dans ce lien on est il est vrai qu'on est pressé, mais il faut qu'on ait la bonne information. Ce répertoire, voici le... Vous voyez, j'ai mis ça, le, le répertoire d'accès, en fait, le, ce Unixion euh, euh, folder. Okay D'où l'intérêt de le créer, de, de pousser, en fait, les informations. Voilà, donc je reviens. Euh, donc, ceci ayant été fait... Alors, donc... Euh, quoi d'autre On va juste... Ici, après cela, on est paré à démarrer l'installation. OK? Donc, ici, je vais juste euh, essayer de. Bon, j'aurais fait le enable au cas où j'aurais eu à louper les services. J'aurais démarré l'ensemble de mes services, en fait, qui ont été déployés. L'ensemble de mes services déployés. Voilà. Euh, après cela, je peux. Bon, vous vérifier le statut, hein, si, euh, si vous voulez. Donc, euh, après cela. L'installation, euh, la configuration est terminée. On peut maintenant passer à l'installation. Jusque-là, y a-t-il des questions? OK. Jusque-là, on oh, est bon. Très bien. Donc, on avance. Euh. Donc, pour l'installation, comme je, je le fais, sur, donc pour lancer l'installation via PXE Boot, okay? je vais à ce niveau, voilà. Je vais utiliser le, la commande Vue Install. Vue okay? Install pour démarrer l'installation de PXE Boot. J'explique le contenu de la commande. Okay? Je vais installer le premier serveur Bootstrap Node, ce premier serveur. OK avec les caractéristiques suivantes, j'ai pris 16 gigas de RAM parce que je veux, aller, je veux que ça aille rapidement, en fait, juste pour ça. Sinon, normalement, avec euh, les manettes limites, vous pouvez aller démarrer avec 8 gigas de RAM. Euh, et aussi, il est recommandé 12 Go de RAM, en fait, dans la, dans la doc officielle. Okay? Mais là, je suis à 16 gigas pour aller très rapidement. Ensuite, pour, voici l'adresse MAC qui correspond au bootstrap node. L'adresse MAC qui correspond à mon nœud euh, master. OK? Donc pour chaque type de serveur, il faut signifier l'adresse MAC. et aussi chaque nœud, le nœud, les nœuds seront connectés au réseau interne. Ok Cette sélection, en fait de, de VNC me permet de pouvoir suivre en fait, en, en fait l'évolution de l'installation. Ça c'est important. Si vous voulez pouvoir suivre en fait l'évolution de l'installation, ou soit faire du debug pour savoir si est-ce que mon PX Boot a bel et bien euh, démarré? N'y a-t-il pas de problème? Il faut ajouter ces, ces, ces informations de PX pour connexions via VNC pour pouvoir sur l'installation comme si vous aviez une console de démarrage sur le serveur physique. OK? Donc, ici, je lance l'installation. Donc, ici, il faut revenir sur mon serveur, sur mon environnement. Euh, je fais un. Je reviens sur. Je ressors sur mon environnement. OK, list. Je reviens sur mon environnement KVM, OK, pour pouvoir lancer la commande. Je ne suis pas dans la VM utility. Je reviens sur le monde KVM pour lancer la commande d'installation. OK. Ici, voici la commande d'installation. Voilà. Donc, je vais lancer l'installation de mon serveur Bootstrap. Ici, comme vous le voyez, il m'a. Il dit, uh, domain installation, you can in progress. You can connect to the to console to uh, complete the installation process. Donc, si rapidement, je vais sur mon VNC. Ok, Voilà, sur le VNC, voilà. Comme vous le voyez ici, fait que ce boot rapidement, si vous, il a pris l'adresse. moins voilà, elle est en train. Si vous avez aimé rapidement, vous verrez que il, a, il a, on lui a signé la IP 200 et l'installation est en cours. Donc euh, ça, on est bon. Il va, il va faire un shutdown de la, de la machine. Il fait tout à l'heure un shutdown de la machine là, et vous allez devoir la redémarrer. Euh, je peux aussi, voilà, shutdown de la machine. Là. Pareil pour le deuxième serveur. Je vais, juste, je vais redémarrer tout à l'heure le serveur, mais bon, je lance l'installation des autres nœuds. Autres master, euh, les autres nœuds Master. Je lance l'installation des autres nœuds Master. Euh, master Node 1, je lance l'installation. J'ai changé de port VNC, ça c'est important. Il ne faut pas que le, le port VNC puisse se chevaucher sans quoi l'installation va échouer. Voilà, je lance le deuxième serveur. Je lance le troisième, euh, le voilà, je lance. Et okay, je vais y aller. On va y aller rapidement. Très bien. Euh, ici, bon, pour aussi pareil, hein, vous pouvez euh, lancer le. On va c'est pour suivre l'évolution. OK Voilà. Généralement, si jamais vous n'avez pas eu de soucis, ça va se faire sans soucis. Voilà. Doucement. Donc, partant de là, je vérifie wish list. Euh, il je vais démarrer à nouveau mes, le serveur bootstrap node pour pouvoir suivre l'installation applicative. Ok euh, Je vais démarrer. Je vais ouvrir une, une autre console. 10 à 192, c'est la 192, 168.10. On en était sur la point 54. Voilà, ah, c'est vrai. On joue rapidement une autre console, une deuxième console. Sur la point 54. OK. Ici, je peux suivre, en fait, l'évolution de mon installation. Euh, je vais juste faire un export. Euh, pour être connecté à l'environnement, je peux faire un OC get. Node pour savoir si jamais il y a quelque chose dans cours. Oh, sous forme, great, ok. Donc ici, pour pouvoir suivre l'installation, je vais juste lancer la commande. Ah, c'est pour juste suivre l'installation de manière applicative. Voilà, ok, le bootstrap node, uh, wait for bootstrap node to complete, ok. Uh, donc ici, en, en, en parallèle, je vais vérifier l'état de mes. Voilà. Okay, donc, je vais démarrer mes serveurs. Euh, Masternode. Restart. Le plus difficile a été fait. Voilà. Je peux aussi, euh, si le cœur m'en dit, hein, je peux lancer aussi le. Euh, en parallèle, les différents worker nodes. Voilà. Donc ici, je reviens sur la console de... Là, il faut juste attendre un tout petit peu. What's in our box? Boost to complete. Donc on attend... Donc, comme je, je le disais, euh, l'installation va d'abord installer un contrôle plane ou un master node temporaire sur le bootstrap node. Okay? Lorsque le bootstrap node sera, sera euh, installé complètement, euh, ceux-là, les contrôles plane, vont venir maintenant, on va dire, purger l'information, en fait, de pouvoir pour finaliser leur installation sur, sur, euh, sur ces différents nœuds. Donc, le boost à c'est un nœud, il est mandatory, obligatoire, d'installation temporaire de contrôle-preneurs sur votre environnement. OK? Lorsque l'installation se termine, vous pouvez le décommissionner tout simplement. OK. Donc, euh, on passe cela. Euh, deuxième, on lance le deuxième, voilà, le deuxième worker node, le list. Voilà, le deuxième rocole. Je vais vérifier juste, le... ça prend un tout petit peu de temps. Ok, je vais ouvrir encore une autre console pour vérifier en fait le statut de. Euh... Euh, Jusque-là, s'il y a des questions, n'hésitez pas hein, à me les poser. On a fini l'essentiel de l'installation. aussi, get node. Ah non, j'ai pas euh, rendu persistant en fait l'export. Du coup, je suis obligé de. Bon, je peux commander, euh, je vais rendre persistant en fait l'export. Voilà. Très bien. Donc aussi get node. Voilà. Ok super. Donc ici mes contrôles planes sont ready. Très bien. Donc next step. Ici, lorsque les contrôles peuvent sont installés, je vais juste vérifier qu'il a... okay, est toujours, il n'est pas encore complet ce bootstrap node. Mais dans tous les cas, les contrôles planes sont ready. On est déjà bon. Je vais vérifier. Euh, les différents opérateurs, en fait, sur le système. Mais bien avant cela, un instant, je peux aussi... Je vais, je vais vérifier l'état, en fait, de... Je vais la les différents CSR. Y a-t-il des requêtes qui sont en pending d'approbation savoir si mais ok pardon OK a aucun aucun requête qui soit en pending ici j'attends en fait les worker node en fait donc je... c'est fait je... je je liste ok le n'a plus rien là ah, Par contre, je vais devoir attendre un tout petit peu. Voilà, juste trois minutes. Donc. On va attendre un tout petit peu, dix minutes maximum. Jusque là, y a-t-il des questions di question perché eh. okay, ok super attento Euh, S'il vous plaît, les gars, si quelqu'un a fait euh, l'enregistrement de la session, si vous pouvez, à la fin, euh, nous partager le lien, ça serait su super. OK, ça compris. Ça euh, compris, c'est noté. c'est compris. compris. Euh, donc, j'attends un tout petit peu. Maintenant, je passe à l'approbation. J'espère qu'il y a... Mettre l'approbation de mes différents nœuds. Ok, il n'y a aucune approbation en attente pour l'instant, j'attends. Ok, okay. Ah ouais, ok, super. Donc qu'est-ce qu'il nous dit internal server error? Ah oui, ok, super. Donc là c'est déjà bon. Euh... Donc je vois qu'est-ce qui a été mis dans le H appoxy. Il n'arrive pas à faire la résolution. Mm -mm -mm fais une dernière vérification. Donc ici, comme vous le voyez, ça, il, été, il est important de pouvoir vérifier le, la console. Euh, le deuxième. Ah, il était, OK, il est temps en cours de démarrage. Okay. Donc, je vérifie le deuxième serveur, le premier, le serveur d'avant. Il est aussi en cours de démarrage. OK. Donc on est bon. bien, donc je vérifie. OK, super. Donc ici, comme vous le voyez... Bootstrap nous complet, ok. It's now safe to remove uh, the Bootstrap process for, ok. Donc ici voici le premier message qu'on attendait. Ici, ici cela signifie que nos, 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 en fait, euh, le Bootstrap nous en fait, a, 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 il a fini le boulot à faire en fait. Donc du coup on peut l'enlever en fait de notre, euh, de notre, euh, le catalogue d'installation. Voilà, va voilà, le dire ainsi de simple. Pour pouvoir le faire simplement. Moi, ce que je fais, simplement, je vais directement dans le, sur le HAProxy, que je moi, en fait les requêtes qui vont vers ce serveur-là, et, et on n'en parle plus. Donc, ce qu'il faille faire, donc, important ici, comme vous le voyez, Waiting App pour un Complete, OK? Ici, il a terminé, il te, vous met complète. Dès que, la, dès que vous arrivez à ce niveau, vous pouvez euh, éditer votre achat pour le la, fichier la, la configuration de proxy. Euh, si. Voilà. Et les lignes qui concernent le Bootstrap, node vous le vous le vous, le, vous le commentez tout simplement. Ok, donc ici ça je je commente. Voilà. Je Bootstrap voilà. Euh, quoi d'autre Je commente tout simplement. Donc, je n'ai plus de Bootstrap. Notre request ailleurs. Donc on est bon. Ça. Ok. MCTL, restart, achat, proxy, service. Tranquille. OK? Donc, ici, la, la première étape est terminée. Donc, ici, on est bon. Je vais vérifier s'il y a des requêtes qui sont en attente. Et je viens un peine de redémarrer, le verra ça pour aussi euh, normal que j'ai cette Attends ça On attend un tout petit peu.

Je vais m'assurer que je n'ai pas touché autre chose à part ce qui doit toucher. Moi, j'ai juste commenté la ligne qui concerne le boost node. Ok, donc on est bon. On attend tout petit peu, tout simplement. Ok, c'est oh, bon. Tu es aussi bon. Alors, qu'est-ce qui n'a m'a pas aimé OK. Euh, je vais juste donc c'est ça. Ok, donc on a des requêtes en pending, donc on est bon. Ça signifie qu'il y a des nœuds. Ok. Donc ici, on va maintenant pouvoir en fait ajouter manuellement en fait nos euh, nœuds master worker à notre environnement. Ok, donc ici, on est bon. Donc pour pouvoir les ajouter, je vais juste approuver euh, l'accès à de nouveaux nœuds à mon, mon environnement en lançant tout le monde en fait de, de, de l'approbation. Pending, uh, donc bon. Approved. Uh, deuxième commande d'approbation. Ok, donc ici je lance mon get node. Not ready. Ok, super. Donc ici, bientôt ils seront ready. On attend un tout petit peu. Pendant ce temps, je vais juste faire une petite action de préparation. En secondes. Aussi, get. Je ne sais pas. Je vais de l'opérateur. Okay. Okay. Donc, voici les différents opérateurs ici. Il faut s'assurer que l'ensemble ici soit à à trop en fait. Tous les opérateurs doivent être au, au moins au minimum à minimum à, à trop et princi principalement l'opérateur le, le, console euh, ici il est à force. Tant que cet opérateur console n'est pas à le vulnerability n'est pas à, à trop. Vous ne pourrait pas avoir accès à l'interface de l'interface web, okay, à la console. Okay. mais d'abord on attend que tout ne soit ready. Un tout petit peu. Super. Donc, comme vous le voyez, ici, les deux les workers sont ready. Première étape. Deuxième étape, euh, pour que notre cluster soit euh, up and running, il faut s'assurer que l'ensemble des opérateurs est, euh, est à true. OK? Donc, comme vous le voyez, ça va prendre du temps, un petit peu de temps. Ici, je suis encore à. L'opérateur console est à false. Donc, il faut juste attendre. Il faut juste attendre ici, euh, normalement ça prend ici avec la caractéristique que j'ai mis euh, 10 minutes dans 10 à 20 minutes, ça peut être prêt. Voilà. Donc ça prend du temps. Et vous vous dites, hein, ça prend vraiment du temps. Suivant les capacités de vos différents serveurs, ça peut être rapidement comme ça peut prendre du temps. OK, Mais tant que tant est-il que l'essentiel le, a été réalisé en termes de configuration, vous n'avez qu'à attendre que, le, que tout se. Euh, que tout rentre dans l'ordre. Tout à l'heure, on avait... n'était pas à trop sur ce composant. Euh... Alors il ne reste... restait que ça et ça, euh, le et le et la console. OK Donc, il faut juste attendre, c'est tout ce qu'il fallait faire, le que tout puisse monter. Voilà. Donc voici, voici, voici tout. On attend juste qu'on ne fait qu'attendre. Euh, y a-t-il des questions jusque-là? Emman euh, Seydou? Bon, ça va un peu. Ça va un peu de mon côté. Ok, ça compris. Uh, donc, si jamais euh, vous êtes intéressé par à, à avoir des serveurs pour déployer euh, ce même type d'environnement, n'hésitez surtout pas. Hein, on a, il y a un coupon en fait, disponible. Euh, je vais vous partager dans, dans le chat en fait. Le, on a un lien ici qui vous va aller sur notre environnement ici ECI, sur le site d'ECI. Euh, tout ça, je parle juste pour vous prendre euh, du temps, hein, parce que le temps que tout ça soit apte, Tant que le temps qu'il soit à passe à, à trop. Ok, ok. Comme vous le voyez ici, vous voyez ici la console est à trop. Ok. Donc ça prend juste du temps. Il y a juste 45 secondes. Ça prend juste du temps en fait. On va juste attendre l'authentification. Si le, le module de n'est pas encore à trop en fait, on, va, on aura la console. 7 mais on ne pourra pas s'authentifier. Donc, on attend juste un tout petit peu. Pendant ce temps, je vais juste faire une petite action de préparation. Est-ce que j'ai eu à... C'est juste une cuisine. Je vais juste supprimer ça. C'est juste pour l'accès. Voilà. Pour l'accès, ici la console est à trou Donc, pour avoir accès à la console, c'est très simple. OK Ici, vu que je suis en remote, okay, à distance, okay, j'ai dû mettre à jour en fait mon, le fichier. Bon, le fichier, je vous montre hein, Le fichier ETC host, en fait, l'équivalent du fichier ETC host, en fait de mon environnement. Okay? Dans, le, dans ce répertoire uh, System Driver ETC, dans le fichier il on faire la résolution locale de ces différentes URL. Pour pouvoir avoir accès à la console, il vous faut faire la résolution locale de ces différentes URL, et principalement celle-là, ces deux url là Il vous faut, faire, vous faut faire la résolution pour pouvoir pointer vers le, le, le bon serveur euh, distant. Ici, je vais pointer vers l'IP externe de mon nœud Utility. OK Vers l'IP externe de mon nœud Utility. C'était euh, euh, la.154, si j'ai bonne souvenance. Voilà, 154, voilà. Donc je vais plutôt mettre la 154 ici. 154. Euh, Suis-je dans le répertoire? Non, non, je vais juste ouvrir le fichier. Hein. Euh, le fichier. Voilà. ouvrir avec. Je l'ouvre, je vais l'éditer directement. OK. Voilà, donc 654. Euh, voilà, on F. Passer 254. Euh, donc 154. on en passer. Great, OK. Donc, on est bon, on sauvegarde le fichier, il est ouvert en mode administrateur, on est bon. Je reviens sur mon environnement ici. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je, lorsque je vais lancer l'URL en question, il va, il, va, il va taper en fait sur l'IP, l'IP externe de mon nœud ici l'IP externe ici de mon nœud, ok Et vu qu'il y a le HAPOXY qui a été déployé, en fait, lui derrière, pas derrière, il va le lancer la requête vers mes différents nœuds, en fait, tout simplement, ok Voilà. Donc ici, je fais un autre check encore pour m'assurer que je pourrais m'authentifier toujours à false. Donc, on attend juste un tout petit peu, mais bon, pour l'instant, je vais afficher la console. Donc, pour afficher la console, on lance mon navigateur. Je lance mon navigateur. On n'est pas encore bien... Euh, c .h. La euh, yeah, console OpenShift, tout simplement. Ici, voilà. Je lance l'URL la, de la console en question. OK. Je, je lance l'URL de la console. Bon. J'accepte. de se charger ici la deuxième le deuxième lien ok tout ça est possible parce que dans le DNS ici j'avais mis étoile en fait sur le DNS tout ce qui commence par étoile euh, bon tout ce qui est devant le OCP OK tout ce qui est devant API en fait euh, pour être résolu et être, être rédigé vers l'IP de mon serveur euh, de serveur du serveur euh, proxy qui okay. derrière va balancer la requête sur les serveurs en back-end donc, okay, ici, si j'accepte. Voilà. Très bien. Donc, ici, j'ai ma console OpenShift qui est disponible. Partant de là, pour pouvoir m'authentifier, euh, où est-ce que je, je retrouve le, les informations d'authentification C'est dans ce répertoire. Si vous vous souvenez, au CP, il y a un répertoire authentification. OK donc, il y a le répertoire kubadmin, il y a les le, accès du répertoire du user kubadmin par défaut qui sont disponibles. Quand bon, j'y vais, vous voyez le contenu, en fait, Kube admin password, OK? Voilà, vous l'utilisez pour vous identifier. J'espère, voilà, donc kubadmin, OK, je mets le password qui m'a été... tranquille... Super. Ok. Donc ici vous avez accès, vous avez pu installer votre environnement, votre euh, cluster, cluster Comme je l'ai dit, vous avez 60 jours en fait d'essai gratuit. Ok. Voilà sur ce, cet environnement. Donc ici euh, on a l'environnement, les différents nœuds, les différents nœuds qui ont été utilisés pour pouvoir faire l'installation. Donc, voici comment euh, est-ce que pour, laissez-moi juste prendre les opérateurs, m'assurer que les opérateurs sont, euh, c'est, get, euh, c'est, super. Donc, voilà. Donc, ici, il est à trop, dans l'authentification il est à trop, donc, du coup, on a pu s'authentifier. Donc, euh, voici, 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 euh, on a terminé notre, notre, notre séance. Au bout de deux heures. Euh, désolé pour le contre-temps. Jusque-là, il, il y a-t-il des questions? Il y a-t-il des questions? Allô? Euh, viens, viens. Alors. Oui, vu qu'on a accès en IHM maintenant, si on oui. a d'autres déploiements à faire, on le fait directement en IHM ou bien c'est mieux de le faire par ligne de commande? Vous avez le choix, ça dépend. Sans que l'IHM aussi, vous pouvez le désactiver dans votre environnement. OK Donc, vous pouvez le faire à la fois sur le... Euh, vous pouvez faire le déploiement, en fait, à la fois euh, sur votre environnement ici, directement en IHM, tout comme en ligne commande. Ça dépend de vous. Vous êtes les seuls mecs à bord à ce, niveau, à, à ce niveau. OK Donc, ça dépend absolument de vous. Voilà. Donc, euh, comme si c'est pas le c'est pas le sujet, on va juste faire l'installation. J'espère que la prochaine fois, je verrai bien, on verra bien dans quelle mesure on fera. On traitera un prochain sujet. Ça sera soit l'administration basique, soit la, sécuri la sécurité. Quand on parle de sécurité, ici c'est comment sécuriser en fait votre environnement OpenShift, en fait les différents pour mettre en place les règles AirBag, les différentes règles SCC pour gérer, ne pas que euh, gérer en fait le rootless en fait euh, access sur le, votre environnement. Donc tout ça, on verra bien qu'est-ce on pourra traiter la semaine prochaine. On vous dira. Ou soit ça peut être OpenStack et autres, on, on verra bien. Mais jusque-là, Emman, tu, tu as des questions? Euh, Aristide, s'il vous plaît, une question. Euh, euh, en... Non, non, ça va. Bon. OK. OK. Euh, si, Aristide, s'il vous Oui, euh, en fait, euh, c'est super. Euh, donc... Euh, Juste eh, eh, HA proxy ou HA proxy c'est un load balancer euh, donc euh, dans, dans différents déploiements on, on peut aussi l'intégrer à euh, à un module eh, HA comme uh, Keep Alive D ou, euh, ou bien Pacemaker uh, Corosync donc euh, donc dans, dans ce déploiement on peut on peut aussi euh, introduire euh, Keep alive l'IFD au uh, HA proxy juste pour ajouter cette, uh, ce mode HA au, au Load Balancer Qu'en qu pensez-vous On peut parfaitement le faire, et là, c'est bien vu. Comme tu l'as vu ici, c'est un seul nœud. S'il tombe, on est mal. OK Donc, vous pouvez effectivement mettre en place ou doubler en fait le serveur. En mode production, il faut doubler ce nœud en question.